Célestine? Célestine! De l'avoir laissé là hier. Alors, réfléchissons. J'étais assise là, puis j'ai eu faim. Ernest, pose-toi. Non, il n'est pas là. Après, j'ai dessiné sur la table. Il devrait être là. Si tu l'avais laissé sur la table, il y sera encore. Peut-être dehors. Vous l'avez pas vu? Non, je l'ai pas vu. Figure-toi que moi aussi, j'ai perdu quelque chose. Ah bon? Quoi? Un petit objet auquel je tiens beaucoup, voilà. Un petit objet qui sert à quoi? À voir de loin. Vous parlez de vos jumelles? Un petit objet bien utile pour espionner ses voisins, n'est-ce pas, Madame Tulip? Impossible de mettre la main dessus. Il y a des voleurs dans le quartier. Ou alors, c'est la souris verte. Bon, faribole. Va plutôt voir au moulin, tu y as sûrement laissé ton carnet. Bonne idée. Bonjour Célestine. Tu n'aurais pas vu mon bonnet rouge? Je me demandais si je l'avais pas oublié chez vous. Non, pas vu. Au revoir, Boléro. Non, ton carnet n'est pas ici, Célestine. Tu es reparti avec hier soir. Vous savez à quoi je pense? À la souris verte. Je suis pas une voleuse, moi. Va peut-être pas falloir venir sonner à ma porte chaque fois que vous perdez quelque chose non plus. Qu'est-ce que tu dis qu'on t'a pris, toi? Mon carnet de croquis. Ce qui contient est très important. Oh, et quoi qu'il y a dedans? Tous mes dessins. Que dessins? Et qu'est-ce que tu voudrais que j'en fasse? Pourquoi elle a pas sa cape verte, la souris verte? Macaver? Mais c'est vrai ça? Mais mon Dieu, mais on voit le Macaver? Oh! Au voleur? Au voleur! Attends, on voit un peu mieux, qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est ce malfaisant? Mais qui c'est qui a fait ça? Au moins, on est sûr que c'est pas elle. Tiens, Célestine, c'est pour toi. Un beau carnet tout neuf. Merci. Te plaît pas? Si. Mais dans l'ancien, j'avais dessiné toutes nos aventures pour qu'on s'en souvienne. Je sais. Cette nuit. Non, moins grande les moustaches. Les oreilles plus petites. C'est exactement ça. Stroganoff, cette souris me rappelle quelqu'un. S'il vous plaît, rendez-nous nos affaires. Là, le message est clair. Ernest, je pense à quelque chose. Je tenais énormément à mon carnet, on me le prend. Margotine adorait Zaza, elle disparaît. Et le bonnet préféré de Boléro, un volet. Tu devrais protéger ton violon.
Quoi ? Mon violon ? Tu crois ? Voilà. Si quelqu'un monte l'escalier pour aller prendre le violon dans ta chambre, il va forcément toucher le fil, la clochette va tinter, et toi, tu vas te réveiller. Perli Popetov, bonne idée. Bonne nuit, Ernest. Bonne nuit, Célestine. Hein ? Stolganov, mon violon ! Célestine ? Célestine ! Célestine, t'as vu quelqu'un ? Attends-moi ! Célestine ? Oh, mais je t'adore. Elle est somnambule. Bon, je dois pas la réveiller. On ne doit jamais réveiller un somnambule. Je vais la suivre. Stroganovinov, je peux quand même pas leur dire que c'est Célestine qui vole leurs affaires. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Oh ! Comme je retrouve pas l'ancien, j'ai décidé de commencer un nouveau carnet. Vous voulez bien poser ? Regardez ce que j'ai trouvé ! Mes jumelles, je n'y croyais plus. Mesdemoiselles, j'attends vos explications. Elles étaient cachées dans mon coffre à jouets. De voix. La prochaine fois qu'un objet vous intéresse, vous demandez la permission avant de l'emprunter. C'est pas juste, c'est pas nous. Elle exagère. On lui rapporte ses jumelles et elle nous traite de voleuses. C'est la cape de la souris verte. Qu'elle sera plus gentille. Chut, regardez, elle est là. Oh, avec le bonnet de boléro. Qu'est-ce que vous venez encore faire ici, vous? Vous avez pris le bonnet de boléro. Ce sac à châtaigne, je l'ai trouvé chez moi. Il est à moi. C'est dommage, je vous l'aurais bien échangé contre ceci. Oh. Nous aussi, on l'a trouvé. Mais si vous voulez pas, vous voulez pas, hein. Attends, un peu, toi. On peut peut-être discuter, hein. Regarde Ernest, il était chez la souris verte.
bien sûr. Mais si, on a même retrouvé sa cape verte et les jumelles de Madame Tulipe. Je suis sûre que je vais retrouver mon carnet. Célestine. Madame Tulipe, Madame Tulipe, Célestine a disparu. Elle est somnambule. Aidez-moi à la chercher. Je descends. Réveillez-vous. Célestine a disparu. Maman, c'est grave d'être somnambule. Mais non, Margotine, ne t'inquiète pas. J'ai une idée. Célestine. Mais qu'est-ce que vous faites tous dehors? Et toi, en chemise de nuit en plus? Je vais t'expliquer. Ton carnet, Célestine, il était chez moi. Mon carnet. Merci, Boléro. Alors il n'y a plus qu'un endroit où on n'a rien retrouvé. Je suis sûre que Zaza est chez nous. C'est les charabiettes. Pas besoin de faire semblant de dormir. On sait que c'est toi le plus gourmand des ours, Ernest.